Caen 12e accueille Dunkerque 19e. Les Canets vont mieux, ils restent sur deux victoires consécutives avec Nicolas Seub sur le banc. Kierémé, Autrette et Mendy sont titulaires. Les Canets se sont imposés en plus 4-1 sur le terrain de Calais, équipe de Régional 1 au 8e tour de la Coupe de France. Caen vivra un sacré derby sur le terrain du Havre, équipe de Ligue 1 Uber Eats en 32e de finale. Et l'amélioration se poursuit en Ligue 2 BKT avec le centre de Le Breton et le but de Bilal Brahimi, 1-0. Pour Malherbe à la 8e minute seulement, premier but de la saison pour Bilal Brahimi. La situation est parfaite pour les joueurs locaux, beaucoup moins pour Dunkerque qui n'a pris qu'un point sur les trois derniers matchs. Anziani, Bardelli et Ba sont titulaires. Et la situation des nordistes s'améliore avec une première possibilité, le poteau et le tir au-dessus. Boissier manque de très peu le cadre. Même si Trichard, Grieb, Gnandouillet ou encore Bamin sont absents, les Dunkerquois retrouvent des couleurs petit à petit. Bonne action encore pour Dunkerque et pour Abdourahman Bah. La réponse normande sur ce centre, la reprise de la tête de Mendy, c'est sauvé de justesse. Encore une possibilité dunkerquoise, mais Anthony Mandrea est bien concentré. Le score reste de 1-0 en faveur de Caen à la mi-temps. Dunkerque avec une semaine particulière en Coupe de France s'étant fait éliminer sur le terrain de Reims-Sainte-Anne au tir au but, mais qualifié sur tapis vert car l'équipe de Reims avait aligné un joueur inéligible. Dunkerque jouera donc les 32e de finale à Saint-Omer, équipe de Régional 1. Nouvelle action canaise avec une double parade du gardien dunkerquois Arnaud Baligeon. Encore une bonne séquence, mais pas de but supplémentaire. Le suspense est toujours là dans ce match. Caen a une nouvelle chance de faire une différence définitive. Toujours Baligeon pour s'interposer. Il empêche le but de Kierémé sur cette action. Le chronomètre tourne néanmoins en faveur des Normands. Et ils tiennent le résultat jusqu'au bout. Troisième victoire de suite pour le Stade Malherbe de Caen, qui améliore son classement. Les Canets reviennent dans la première partie et sont 9e grâce à ce succès 1-0 contre Dunkerque.